Sénateur Salomon. Beaucoup, Monsieur le Président, et distingués membres du bureau, chers collègues de l'Assemblée. Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre de la Justice et de la Sécurité publique, Monsieur de l'Éducation nationale et de la Formation professionnelle, et les autres cadres supérieurs de l'État, ici présents. Pour la M, saluer courage avec détermination, ministre de l'Éducation, professeur Aginor. Mais cependant, je conseille pour ne pas dormir sous l'oreiller, continuer le travail. Et la nation se doit une fière chandelle. Moi, j'ai intervenu sous plusieurs points qui concernaient l'éducation. Mais avant tout, Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, moi gagne une oléance pour le département Sud-là, qui concernait directeur adjoint et directeur départemental adjoint ministère de l'Éducation nationale. Là, il s'agit du professeur Claude Bernard, qui nommait, ça fait plus d'un an, mais cependant, il n'est pas jamais capable de toucher. Monsieur le ministre, m'espérez que vous prenez un petit note sur ça. Le professeur Claude Bernard, le directeur départemental adjoint. Vous m'entendez pour parler de ONEC, moi voyons rapport sur PSUGO, mais si je ne me trompe pas, j'ai tout le cas de Pony. Pas qu'on est si où faire un petit rappel sur ça. Parce que il y a un problème dans le secteur, ça tout. Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, en dépit de courage ou de détermination, de compétence ou, va permettre moi de poser des questions à et en présence du Premier ministre, puisque le concerne l'éducation, l'an qui niveau dossier kit scolaire là, lié. Deuxième point que m'a abordé, gagner kit scolaire là-bas dans ça, non? Le ministre de l'Éducation nationale a bien compris. C'est à faire l'école libre. Il y avait un scandale au niveau du gouvernement. Et scandale ça a. Étant donné que. Je peux continuer, monsieur le président. Le sénateur Salomon a la parole. Mais cependant, on a toujours rappelé que nous avons circonscrit l'invitation. Mais si on n'a pas abordé de façon large la question de l'éducation dans toute composante, toute baïnette, etc., de ça, on va toujours programmer une autre invitation. On va toujours faire une autre invitation, adresser une autre invitation. Mais là, on n'a pas parlé de salaire, enseignants, professeurs, et autres, etc. C'est pour même ça que tu as posé, et c'est pour ça tout que tu as fait invitation, je veux dire. On va continuer, monsieur le président. Allez-y, sénateur Salomon. Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, l'autre point que l'on a abordé avec vous, c'est la question cantine scolaire. Il y a un petit proverbe qui dit « Votre connaît, pas les oreilles. Votre affamé n'a point d'oreille. » Et le sénateur Sénatus vient le dire autrement. Pas comprendre que un petit monde va à l'école, parents n'ont pas de possibilité pour le manger. La Constitution dit que tout petit monde a droit à l'éducation et que petit monde ça l'a fait journée sans manger. Est-ce que un petit monde qui a fait journée sans manger capable d'apprendre malgré tout l'effort que nous avons fait pour nous améliorer les conditions du peuple là? Dans toute l'école, particulièrement dans le département sud là, que vous présentez, la question cantine scolaire n'a pas existé. Monsieur le ministre, moi je connais un corps qui investit pour la question ça. Question cantine scolaire. Qui côté l'agence a passé et qui problème qui est qui fait que Timounio n'a pas bénéficié de programme cantine scolaire?
Espérez qu'on note pour moi, monsieur le ministre. L'autre point à aborder avec vous, nous avons une question de transport. À nous prendre exemple, bus d'unité scolaire. Monsieur le ministre, dans le département sud, particulièrement dans Chantal, dans Saint-Louis, dans Torbec, et j'en passe, bus n'ont pas qu'à fonctionner parce que n'ont pas de caoutchouc. Il n'y a pas de pneus dans les bus assurant le transport des élèves. Et là, nous pose le directeur général d'unité en question, il dit que c'est au niveau de finances. Ça, c'est un gros problème. Et son manque à gagner pour le gouvernement. Je crois que ma pété de ce travail-là. Et ça, t'a souhaité, monsieur le ministre, comme enseignant de carrière et père de famille, pour prendre ça en considération. Ma continue. Ok, m'attendez que loi sous fonds national d'éducation, les promulguer, publier. C'est bien. Mais m'a salué, m'a tout profité de saluer qualité d'intervention, sénateur Dumont, tout à l'heure, sous question font ça. Le gouvernement est en train de combattre la corruption. Et le président l'a si bien dit, le pays a les cinq problèmes. Corruption, corruption, etc. Mais l'épine dorsale au niveau du combat contre la corruption, c'est la transparence. On ne peut pas combattre la corruption si pas de transparence. Et la charité bien ordonnée commence pour soi-même. Est-ce que ce ça, c'est pour une véritable caverne d'Ali Baba? On tout s'en fout. Monsieur le ministre, je vais vous donner une explication sur ça. Je vais permettre que de terminer. Gagner question formation professionnelle que le sénateur Augustin a abordé. Quoique, mon collègue Sildor, mon co-régionnaire du Sud, il a laissé une fameuse correspondance, eh bien, à responsable sur ça, tout à l'heure, mais qu'on est projet Brésil Teclan, dans le Sud, dans qui point lié, et ça fait le parcours des maris. Je termine. Effectivement, monsieur le président. Je comprends que le ministre a fait un pile et faux. Mais, le nous garder environnement, atmosphère qui gagne, est-ce que vraiment n'a pas avancé ou bien s'il n'a pas marché à reculant? Est-ce que nous pouvons marcher à reculons, malgré tout effort qu'on a fait? Manifestation dans la rue, et nous t'avons un spectacle, nous sommes vivre là l'autre jour, là, au de Méan, la saline là. C'est triste, monsieur le ministre. Et étant donné que le Premier ministre a bien pour l'aller à 8h30, monsieur le Premier ministre, permettez. Il y a une correspondance que mon grand frère, le sénateur Sénatus est adressé à Bureau Sénat. Et Dieu seul sait combien de fois il a répété et récidivé, si vous me permettez. Il a fait feu de tout bois pour que le gouvernement bat explication sur 120 millions et puis dollars américains qui dépensaient pour acheter matériel, engin lourd, dans la question caravane. Monsieur le Premier ministre, dans un pays côté que prix manger a grimpé, alors que salaire ouvrier est bloqué, ça n'a touché pas même suffi. M'a parlé de tiers-employeur. Et vous gardez mon ouais, 1000 gourdes que vous prélevez. Monsieur le Président. Monsieur Accordé. Et moins comprendre. Position collègue Salomon. Mais m'estimer que la question de caravane, de coq qui achetait matériel, il parle à l'ordre du jour. Il t'a demandé, collègue Salomon, réserver question,
dans l'autre occasion lorsque nous avons décidé d'inviter le Premier ministre sur la question ça. Merci beaucoup. Monsieur le Président, je ne savais pas que l'actuel président du Sénat s'appelait le sénateur Cadeau. Il est quand même sénateur et capable toujours d'estimer que, disons, la pertinence de yon remarque ou yon intervention dans un moment où effectivement nous besoin. Et je termine, mais ça permet quand même qu'on finisse avec intervention. Là. Je ne m'adresse pas au ministre de l'Éducation nationale, je m'adresse au Premier ministre qui est là pour répondre à certaines questions. Il en sens ça à me poser la question ça. Monsieur le Premier ministre, je ne vais pas trop charger où. Il y a un rapport au produit, disons, gouvernement produit, sous question état d'urgence, qui était déclaré sur tout territoire. Monsieur le Président du Sénat m'a tout profité pour réitérer demain pour que le rapport ça a, qui vient de nous, pour nous gagner une séance spéciale avec le Premier ministre, pour être capable de défendre le rapport ça. Pour nous connaître la quantité d'argent qui dépensait dans l'état d'urgence. Merci beaucoup. Très bien. Avant peut-être que nous passions la parole à le sénateur Fétière, nous pouvons permettre à sénateur de prendre connaissance de correspondance que nous avons adressée à le Premier ministre et qui lui-même fait l'accompagner de ensemble notre ministre et directeur général. Pour nous dire que toute correspondance que moi-même en tant que président Sénat m'a adressé à un responsable de l'exécutif là, pour invitation ici à le Sénat, moi fait lui sous demande d'un président commission et si le besoin se fait sentir, le président Sénat lui-même personnellement a doit faire dans circonstances bien particulières. N'avait demandé collègue Sindor pour les correspondances que nous avons adressées par le Premier ministre dans ce sens-là, en façon pour ne pas mettre bureau dans une situation inconfortable à chaque fois. Parce que gestion du bureau que nous trouvons maintenant là est extrêmement compliquée pour moi. Alors, nous avons vraiment que nous comprenons une situation PAM. Parce que d'un côté, il faut gérer l'Assemblée des sénateurs, il faut gérer les sénateurs. Et en même temps, en tant que président Sénat, prestige moi et personnalité moi, irrité tout à travers l'engagement que m'apprend, que nous m'en prend. Alors, m'apprend des collègues Sildor pour les correspondances que m'a adressé par le Premier ministre. Très bien, Président. République d'Haïti, le Sénat. Bureau, le Président. Référence SRH-SP-JL- 5226. Docteur Jacques Guy Lafontaine, Premier ministre en ses bureaux. Pour au point, c'est 25 avril 2018. Monsieur le Premier ministre, le président du Sénat de la République accuse réception de votre correspondance en date du 24 avril 2018, par laquelle vous informez que vous et le ministre invité ne pourrez pas vous présenter au Sénat ce mercredi 25 avril 2018. En raison de la tenue du Conseil des ministres avec votre nouveau gouvernement. Le bureau déplore ce contretemps, d'autant que c'est pour la troisième fois que, pour des raisons diverses, vous décommandez une réunion de contrôle parlementaire sur le sujet irritant de la problématique du corps professoral. Il apprécierait que vous puissiez finalement honorer ce rendez-vous le mercredi 2 mai 2018 afin de permettre aux sénateurs de débattre avec vous et les ministres concernés de ce dossier. Le président du Sénat de la République saisit l'occasion pour vous renouveler, monsieur le Premier ministre, l'expression de ses patriotiques salutations. Joseph Amber, sénateur de la République, président. Merci. C'est un simple rappel pour solliciter les honorables collègues sénateurs certaines compréhensions de l'ensemble des démarches que le bureau a fait sous demande commission
et qui en même temps capable de mettre tout dans une situation embarrassante par rapport à responsable exécutif que m'inviter. D'ailleurs même, encore une fois, si nous avons circonscrit l'intervention dans le cadre comme des cadres, ça qui était fait objet correspondance que nous-mêmes, commission, demandons pour adresser les concernés. Merci beaucoup.